Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur RT 93 eSport TV pour un événement spécial car nous vous proposons la deuxième branche du eSport WTCR Oscaro 2019 sur Slovakia Ring. Nous changeons de plateforme par rapport à vendredi, on quitte Forza pour cette fois Westwoom et nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure. Un format très simple aujourd'hui avec pour les pilotes. Deux courses au programme avec 15 minutes de qualification. Actuellement, les pilotes sont dans la séance des essais. Donc, deux courses de 25 minutes pour les pilotes avec une deuxième course avec une grille inversée pour les 10 premiers de la course 1. Donc, ça va être une course compliquée pour les pilotes. 25 minutes, ça passe très vite, il va pas falloir faire d'erreur. Surtout qu'on a une belle grille hein, aujourd'hui. Donc voilà, le programme Slovakia Ring, un circuit qui est compliqué. Un circuit qui est long, hein, c'est pratiquement 6 km, hein, 5 km 922 pour être précis, on est en Slovaquie. C'est un circuit qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir sur les jeux vidéo, que ce soit Forza, Gran Turismo. Là on l'a sur Asroom, on a de la chance et c'est un circuit que le grand public ne connaît pas forcément. C'est pas un circuit qu'on a par exemple en Formule 1. Donc voilà, c'est un circuit qui est très compliqué, qui est long. La plupart des pilotes boucleur WTCR, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La plupart des pilotes bouclent ce tour en un peu plus de 2 minutes, 2 minutes 8 pour les meilleurs, 2 minutes 7 pour les très très costauds du plateau. En moyenne, on est en 2,10 sur ce style sur ce style de circuit. Actuellement, on l'a dit, hein, les pilotes sont dans les essais. On a une belle grille hein, à proposer. On va d'abord donner les infos. Alors, c'est en anglais, hein, Rassroom n'est pas un jeu qu'on traduit facilement en français. Donc voilà, vous voyez 5 km 922 pour ce circuit, un long circuit. Un circuit où la piste est assez large. Hein, donc, on devrait avoir quand même de beaux duels, de beaux dépassements. Il y a des gros freinages aussi. Et on est en WTCR, donc forcément du contact entre les pilotes. Donc ça va être très intéressant à suivre. Il reste à peu près ouais, un peu moins de. Ouais, il reste 8 minutes de qualification. Ensuite, on rentrera, je l'ai dit. Dans les qualifications, non, on est dans les essais libres, on rentrera dans les qualifications 15 minutes, hein, il faudra faire vite hein, pour les pilotes quand on sait que le pilote quand on sait que le tour se boucle un peu plus de 2 minutes, il faudra pas trop se manquer pour les pilotes. Non, ça fait à peu près ouais, ça fait à peu près 5-6 tentatives max hein, pour les pilotes, donc il faudra pas se manquer pendant les qualifications. On va essayer de découvrir un petit peu. Déjà, on va découvrir le classement général du WTCR 2019. Je le répète, on est sur la deuxième manche. Malheureusement, on n'avait pas pu diffuser la première manche. C'était sur Hangar Wing. Il y a déjà eu une manche, c'était dimanche dernier. Avec quatre serveurs, on parlera hein, un petit peu de la compétition un peu plus tard. Pour présenter cette compétition, mais le classement aujourd'hui il est là suite à une manche. Le meilleur là, c'est vraiment l'élite. Hein, quand là, on reconnaît des pilotes comme Jack Kixley hein, qui est leader de ce championnat avec une manche, avec déjà deux courses effectuées sur une gare au ring. Là, c'est les pilotes qu'on découvre là à l'écran, c'est plus les pilotes. Qui était dans le serveur 1 ce soir, nous enfin aujourd'hui, cette fin d'après-midi, on diffusera nous le serveur 3 où on y retrouvera des pilotes de la team 4 pour être précis, d'autres pilotes français aussi qui représentent d'autres teams françaises, donc on aura le temps d'en discuter aussi. Donc là, on voit, hein, on reconnaît des grosses teams, les Williams eSports sont bien évidemment présentes, il y a les Euronics, on découvre les SDL qui sont là, donc.
Voilà, il y a des très gros morceaux hein, sur cette compétition. Hein, on n'est pas loin de voir les tout meilleurs Simrasseurs pas du monde, hein, parce que c'est sur Rassro. Mais après, il y a d'autres jeux où il y a d'autres très très bons Simrasseurs. Mais sur Rassro, là, on a aussi de très très bons pilotes. Donc voilà pour le classement. Notre pilote, hein, notre premier pilote de ce classement, c'est William Dorsch, hein, qui est à peu près à la 44e place, il me semble. Je n'ai que j'ai que la première partie du classement, j'ai pas la suite, mais William Dorsch de la Racing Team 93 est à peu près, je crois, 42 ou 44e dans ce classement. Ce qui nous intéresse tout aujourd'hui, c'est la grille, hein, c'est cette course. Voilà la grille et le plateau qu'on aura pour ces deux courses. J'ai peut-être enlevé le driver info, hein, c'est peut-être mieux comme ça. Ça perturbe l'image sinon. Donc, voilà le plateau où on retrouve nos quatre pilotes, hein, Calogero Lopez, hein, pilote belge. Réalisé un bon temps, il s'est qualifié pour ce serveur 3. On aura Jordan Mashop hein, de la Racing Team 93, William Dorsch, je l'ai dit, qui était dans le serveur 2 la semaine dernière. Là, ce sera le serveur 3 pour lui. Et notre président qui est là aussi, Raphaël Alves, qui sera présent dans cette division. D'autres pilotes français, je l'ai dit tout à l'heure, on aura Karel Vega de la DT 3R Racing eSport. Très, très bon pilote, hein, Karel Vega, qu'on connaît bien, qui est habitué des événements e-sport sur Westroom. On aura d'autres Français, il me semble. On aura un pilote de la GT R3, Guillaume Vigneron, qui sera présent également pour les couleurs de la GT R3. Après, voilà, c'est d'autres. On a pas mal de pilotes étrangers, beaucoup de Hongrois, beaucoup d'Allemands. Notamment le jeune talent Attila Diner, jeune Allemand de 15 ans, qui sera présent sur cette grille. Donc voilà, de très très beau monde sur ce plateau. Dans moins de 5 minutes, moins de 4 minutes même, on commencera les qualifications. Pour l'instant, les chronos, ils se portent bien, hein, même pendant les essais. On a de très très bons chronos. Là, le meilleur est en 2,8307. C'est le Hongrois Mezes qui pour l'instant détient le meilleur temps des essais. On verra ça pendant les qualifications si cette grille bouge. Pour l'instant, je crois qu'on a 28 pilotes hein, dans le serveur. On aurait pour l'instant deux absents. J'espère peut-être qu'ils rejoindront le serveur d'ici quelques temps. En tout cas, soyez nombreux hein, à réagir sur le chat. Hein. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui est présent sur le chat. JC Sim Racing qui est présent. Il y a Mashop qui a eu le temps de nous faire un petit coucou avant sa course. On a Nicolas Kless aussi qui est là. Il y a Stéphane Seven qui est là. Galéjade, Racer aussi qui est présent. Ben, on va essayer de suivre. Essayer de se faire plaisir avec une bonne petite course. En tout cas, comme j'ai dit, hein, WTCR, il y aura beaucoup de spectacles, surtout sur ce style de circuit où vraiment il y aura du contact. Hein, normalement, on ne va pas s'en faire pour ça. En tout cas, donnez votre retour hein, sur le chat pour au niveau du son. Hein, s'il y a des. Si le son est optimum au niveau des commentaires, au niveau du son du jeu, s'il est trop fort, moins fort, pas de souci. Il faudrait, si y a quelque chose à modifier, n'hésitez pas à le dire sur le chat. Moins de 2 minutes hein, pour le lancement des qualifications. Rappel, hein, deux courses de 25 minutes. Ça va passer vite, hein, 25 minutes pour une course, la moindre erreur est fatale. Donc
Ouais, non. 1 minute avant la fin des essais. Tout est ok pour toi, JS, Sim Racing. Bah, nickel. Nickel, c'est parfait. On va pouvoir passer un bon moment. J'ai moi-même tenté ma chance hein, sur cette compétition parce que ce qu'il faut savoir sur ce style de compétition, c'est un hot lap qui est disponible hein, sur le jeu Wasroom et c'est les 120 meilleurs hein, chronos qui sont sélectionnés pour ensuite représenter 4 serveurs de 30 pilotes. Donc des fois c'est un peu plus que 120 parce que des fois il y a certains absents. Donc du coup on va piocher dans le 121, 122, 123 tième pilote pour combler les serveurs. Donc là nous pour ce qui est de la RT93 sur le serveur 3 on a 4 pilotes engagés. Ce qui est une bonne performance. Il faut déjà être dans les 120, c'est vraiment pas une chose qui est pas simple. Dans le serveur 4, on a aussi notre pilote belge Hervé Fréture hein, qui s'est lui qualifié pour le serveur 4. Malheureusement, on n'a pas su se hisser dans les serveurs 1 et 2. Là, le niveau est très très élevé, hein, je vous laisse imaginer. Donc, c'est parti hein, pour les qualifs. C'est parti pour les qualifs, 15 minutes de qualification. L'image et le son est nickel. Merci Romain pour cette précision. Bah écoute, c'est parti, hein, 15 minutes de qualif. C'est parti pour une grande partie des pilotes. Alors là, on n'est pas sur Forza, on a l'habitude de streamer du Forza. Donc là, on n'a pas des voitures en fantôme, là, on a bien une séance de qualification. Réel avec contact avec dégâts avec tout ce qu'on veut. Là on est vraiment sur un jeu beaucoup plus simu. Donc là il faut essayer de sortir des stands au bon moment. Oui, donc pour ma petite histoire j'ai moi-même tenté bah, de faire un chrono sur Sovacaring avec la Audi RS3. Ben voilà, je crois j'ai dû finir dans les 250e sur, bon, ça va, sur 1600 je crois pilotes qui ont tenté leur chance. Mais voilà, se hisser dans les 120, c'est vraiment pas une chose simple. Il y aura d'autres hein, il y aura d'autres tentatives. Hein, le WTCR regroupe 6 manches en tout. Des circuits comme Zandvoort, Macao, le Nordschleife. Il y a encore beaucoup de manches après cette deuxième manche sur Slovakaring. On remercie aussi toute l'équipe Rassroom hein, pour nous avoir accordé le droit de la diffusion de ce serveur 3. Un grand merci au staff du jeu et les organisateurs du WTCR. On va suivre les premiers chronos. Là, on est sur Karil Vega, hein, pilote français. Ils sont quelques-uns français hein, dans ce serveur. On l'a dit tout à l'heure, hein, Karil Vega, Guillaume Vigneron, William Dorsch. Il y a aussi Raphaël Alves, notre président. Vincent Roy aussi, mais Vincent Roy, il me semble que lui n'a pas de team. Pilote indépendant. On souhaite bien évidemment bonne chance à lui. Pour l'instant, toujours aucun chrono hein, de sortie.
Guillaume Vigneron, hein, de la team GTR 3 eSport. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, cette compétition regroupe le pack WTCR 2019, qui regroupe pas mal de voitures. Alors, je ne les ai pas toutes en tête. Vous voyez, hein, il y a la Audi RS3, il y a la Hyundai i30, il y a la Honda Civic Type R, la Cupra TCR, et la Volkswagen, la Golf également. Je crois qu'il y en a encore une ou deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'organisation, pour avoir, on va dire, l'équité et l'équilibre des performances des voitures, certaines voitures ont un ballast de poids sur la voiture, ce qui est le cas par exemple pour la Audi RS3 qu'on voit à l'image. 2 kg a été rajouté à la Audi, la Honda Civic 4 kg, la Hyundai i30, elle, c'est encore plus, c'est 13 kg de ballast qui lui a été attribué. La Cupra TCR, pareil, 1 kg pour la Cupra. Donc, alors que là, les premiers chronos tombent, hein. On voit tout de suite des pilotes en. Le meilleur, c'est le Hongrois, Laszlo Nihilas, en 2.8, 393. Yann Dorsch Capon qui a réalisé un premier chrono en 2.9.497. Qui améliore son premier secteur, William, de 3 dixièmes, c'est bon signe. C'est bon signe. On va suivre William Dorsch sur ce tour. C'est une grille de 28 pilotes hein, pour l'instant. Pilotes pour pas encore fait de chrono, c'est le cas de Machop. Une bonne amélioration hein, dans le secteur 2 pour William Dorsch de 7 dixièmes. On le voit à l'écran hein, quand le secteur s'allume en vert, c'est que c'est une amélioration par rapport à son premier temps de passage. Un peu comme la Formule 1, hein, si vous avez l'habitude de suivre la F1, c'est à peu près pareil. Et quand on est dans le meilleur secteur du plateau, c'est la couleur violette qui s'allume. Et c'est une amélioration pour William. En 2.9.300. Moi qui l'aime, je ne sais pas s'il a été validé ce chrono, si je crois qu'il a été validé. En tout cas, Guillaume Vigneron, lui, a réalisé un bon chrono pour l'instant. Deuxième. En 2.8.496. Sur le secteur 1, malheureusement sur le secteur 2 il a perdu, c'est un petit peu manqué à la Guillaume. Peut-être compliqué d'améliorer le temps. Non, il n'améliorera pas. 2.8.598. C'est insuffisant pour améliorer pour Guillaume. Le pilote sort des stands là. C'est le cas aussi de Karel Vega. Attila Diner, le jeune pilote allemand en amélioration sur le secteur 1. Pour l'instant, 7e temps pour Attila Diner. Ça passe vite, hein. Déjà plus que 6 minutes hein, pour les pilotes pour réaliser un temps. Ça passe très vite. Surveiller le temps de passage au deuxième secteur pour Attila.
s'est manqué, il s'est manqué. Il n'améliorera pas sur ce tour-là. Et Raphaël Alves, lui, qui a une belle amélioration sur le secteur 2. Pour l'instant, 12e temps, Raphaël. Est-ce qu'il est capable d'aller améliorer son temps? Pour l'instant, en 2.8.814. Là, c'est quand même des bons chronos, hein. Quand on... Je sais pas si certains sur le chat, spectateurs, vous avez tenté votre chance et la meilleure à part Raphaël. Mais là, c'est de très bons chronos. À partir du moment où on descend sous les 2.9, ça commence vraiment à rouler fort. Et pour l'instant, mes aises, toujours leader, hein. Pour l'instant, c'est le poleman. Hongrois qui sont nombreux hein, sur cette course. Ils sont au moins ouais, ils sont 8 pilotes hongrois hein, sur ce plateau. Alors, beaucoup de pilotes avec la Audi. Minutes là pour le terme de ses qualifications. Quel lob sur le chat qui encourage Karel Vega et la DT3R. Ouais, Karel Vega qui a réalisé un bon temps, 5e pour l'instant en 2.8.596. Et c'est une amélioration dans le secteur 1. C'est même le meilleur temps hein, sur le secteur 1 pour Karel Vega. On va suivre ce deuxième secteur. Il est capable d'améliorer là, Karel. Sorti un peu large là, Karel Vega. Attention à cette courbe là remontante. On va ensuite descendre sur l'épingle pour ensuite passer en toute fin de deuxième secteur dans le S montant. Secteur très compliqué pour ma part. C'est là un peu que je perdais pas mal de temps. Quelle va être la marque pour Karel Vega? Il a perdu un peu de temps. Il se retrouve à 5 dixièmes maintenant, il n'améliorera pas son deuxième secteur même. Ça va être compliqué d'améliorer pour Karel Vega. Auteur d'un très très bon premier secteur. Ouais, les chronos sont serrés effectivement. D'amélioration pour Karel Vega qui rentre d'ailleurs tout de suite au stand. Calogero Lopez qui va retenter une dernière tentative. Il sort des stands pour essayer d'améliorer son temps. Pour l'instant en 2.8.693 pour le pilote belge, notre pilote belge. Calogero Lopez qui est jeune, hein, qui est jeune pilote, qui a déjà été présent sur des événements e-sport, sur Asroom. C'était le cas sur l'Avia, en classe rookie. Il est terminé quatrième au terme de cette compétition en classe rookie. Il est en tour de sortie pour l'instant, Calogero Lopez. Pas mal de pilotes au stand. On prend des nouvelles de Grégory Leroy, autre pilote français à bord de sa Hyundai. Salut Spadon. Ah ouais, merci surtout à l'organisation Rassroom qui nous permet
d'avoir la diffusion de ce serveur 3. Pas mal de pilotes en tour de sortie. On l'a dit, hein, les pilotes hongrois qui sont très bons. Alors que là, c'est fini. Les qualifications sont terminées. Voilà, pole position pour Gyula Mezes, le pilote hongrois, doublé hongrois hein, sur ses qualifications. Nihilas avec sa Golf qui partira sur la première ligne, pilote 100% hongroise, grille 100%, enfin, première grille 100% hongrois. Donc on va partir hein, pour 25 minutes de course sur la première. On devra assister à une course musclée, hein. WTCR, on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup de batailles. C'est parti, les feux s'allument. On va suivre ce premier virage hein, compliqué. C'est parti. On l'a dit, les Hongrois 100% première ligne. Alors que Attila Dinner, j'ai l'impression, a réussi à prendre un très très bon départ avec sa Hyundai. Je crois que j'ai le désordre. En tout cas, bon, c'est bien passé hein, sur le premier virage. Premier virage compliqué. Ensuite, on va enchaîner avec une grosse courbe. Ah, c'est musclé, on le voit. Ah, qui a pris un bon départ, Attila Dinner, on l'a dit. Qui partait 3e, je crois. Et Guillaume Vigneron, pareil, un bon départ pour Guillaume Vigneron. Alors qu'il y a de la casse à l'arrière pour Rafael Alves, j'ai l'impression. Ouais, mauvais départ hein, pour Rafael, malheureusement. C'est moins le cas pour Karel Vega. Sixième, un hein, bon départ hein, pour le français de la DT3R Racing eSport. Ouh, attention là, ouh là oui, contact, gros contact. Alors j'ai pas trop eu le temps d'identifier qui. Mais ouais, il y a eu un gros contact, un intérieur mal fait, il a perdu la voiture, alors je sais pas qui. En tout cas, Guillaume Vigneron, le pilote de la GTR3, pardon. Après un bon départ et s'envole là pour l'instant. William Dorsch, notre pilote là qui est pour l'instant actuellement 19e. J'ai pas l'impression qu'il ait réussi ses qualifications, William. Capable de mieux faire en termes de chrono. Pour l'instant il est 19e. Et il est dans le trafic. Pareil hein, pour Calogero Lopez, 15e pour l'instant. Sur la tête de course avec Marc Somogyi, le pilote hongrois aussi. Georgie Racing Sport Team. Alors que Rafael Alves remonte, hein, il est remonté à la 20e position.
qu'on a match-up aussi. Oh là, il y a des grosses sorties de piste là pour Jordan. Avec le Polonais Andrzej Bitrycki. Il y a dû avoir contact. Que Karim Vega a perdu des places là. Il est passé de 6e à 10e. Il a dû se passer quelque chose. Alors que le Poleman, hein, Mezes, 8e. Hein. Début de course mitigé hein, pour le Hongrois. Ah, c'est parti fort. Oh, attention, il y a une voiture là complètement en perdition. Il me semble que c'est. J'espère que c'est pas Karin Vega. Si, si, il me semble que c'est Karin Vega. C'est Karin Vega qui s'est complètement manqué sur son freinage. Et du coup, qui repart loin, loin, loin de sa 6e place d'origine. Ah, faut pas faire d'erreur. C'est compliqué hein, de garder la concentration, surtout sur des petites courses comme ça de 25 minutes. Ça passe très vite et à la moindre erreur, bah, coûte très cher. Il a la lutte avec Schubert. Non, c'est pas Schubert, pardon, c'est Vinsky. Alors que William et Raphaël en bataille là. Alors que Calogero aussi en grosse bataille. Hein. Pas mal de pilotes en bataille avec Somogyi. J'ai pas la facilité hein, pour prononcer les pilotes hongrois. La prononciation est pas optimum, mais on essaye. Pour l'instant, c'est le top 10 pour Calogero Lopez. Ça va être compliqué d'y rester parce que là, on voit quand même que le niveau est élevé. Il y a du rythme, il y a de la friction. En tout cas, tout va bien hein, pour Guillaume Vigneron. Pour l'instant, le départ a été bon hein, pour Guillaume. Derrière, c'est Attila Diner, le jeune Allemand. Nilas hein, qui était deuxième sur la grille. Relégué d'une place à la troisième position. Que Rafael Alves qui a perdu quelques places là, il est là-bas en bataille avec Karin Vega. Ouh oui! Oh oui, là il y a eu gros choc. Je crois qu'il y a eu choc là, ouais. Il y a pas mal d'erreurs hein, quand même, malgré que là on est affaire à de gros, de bons pilotes. Hein, tous ces pilotes sont très bons, hein, mais en course c'est autre chose. Nicolas qui nous dit très belle course, agréable à regarder, bah merci, j'essaye de pas trop rater la moindre bataille. Alors que là on a David Choubet en bataille aussi à moins d'une seconde. Peut-être l'intérieur là sur le pilote Janoche. Assez proche là. Deuxième virage là, une courbe très rapide, pied au plancher. Et le freinage à l'intérieur. Ah, c'est superbe, c'est passé en tout cas. Je crois qu'il y a eu contact devant. Non, il n'y a pas eu contact. C'est bon. Beau dépassement là de Schubert. Et pour Calogero.
Calogero Lopez est beaucoup plus calme que tout à l'heure. Il a réussi à faire le trou par rapport au trafic. Alors que la grosse erreur là de Vincent Roy. Eh non, il n'est pas premier. Rétrogradé à la 26e place avec son erreur. Premier, c'est toujours Guillaume Vigneron. Hein. Gros rythme là, du pilote français de la GTR3. En tout cas, les écarts sont faits hein, en tout cas pour le top 5. Et Guillaume Meyzès qui essaie de revenir. Guillaume Meyzès qui était auteur du meilleur temps en qualif. Le poleman qui a du mal à intégrer ce top 5. Le pilote hongrois avec sa Audi RS3. Choc aussi qui était en grande difficulté en début de course et là il a l'air d'avoir retrouvé son rythme hein. Jordan pour Carrier Vega pareil il avait pris un bon départ hein. Carrier Vega il a réussi de belles qualifications même mais une erreur a fait que il était rétrogradé. Maintenant, il s'agit de remonter pour Carl Vega. Il reste un gros quart d'heure pour lui pour essayer de remonter. Et William Dorsch toujours en grande bataille là. Que devant lui, c'est Somogyi. Peut-être une tentative pour William. Il est proche, il est très proche là, William Dorsch. Ces courbes, hein. Slovakia-Ring, c'est surtout fait de courbes. Très peu de virages lents avec des gros freinages. Encore une difficulté de ce circuit, c'est d'avoir vraiment une voiture bien équilibrée pour pouvoir la faire glisser en entrée de virage. C'est des voitures qui ont une tendance au survirage. Faut faire attention que l'on est au coude à coude là pour William Dorsch. Et s'est fait passer par le Sud-Africain Valentino Adams qui a réussi à passer son pilote français. Alors que bonne remontée hein, pour Rafael Alves, 12e pour l'instant Rafael. Qu'on a l'habitude d'entendre avec moi sur la chaîne, et ben là il est aux commandes. Il doit être moins détendu quand même là dans son playseat pour cette course. Ah, Nicolas qui nous dit que globalement les RT s'en sortent bien, ouais, c'est ça va. Surtout que Raphaël a pris un mauvais départ, hein. Il s'est retrouvé. Dernier suite au premier virage, qu'il avait pas trop mal réussi ses qualifications. Ah, il est pas dans les choux, Caril. C'est vrai qu'il a fait une erreur. Il était sixième à un moment. C'est dommage. Il remonte. Pourquoi pas un top 15 pour Caril Vega. Devant lui, ce sera William Dorsch. Attention. Anciennement chez la GTR3. Et qui a intégré la DT3R Racing eSport. Va aller voir ce qui se passe devant parce que le Ericsson est proche là de. Du pilote hongrois Meyzès. Meyzès qui a gagné une place. Qui a réussi à réintégrer ce top 5, le poleman. Duel Honda Civic et Audi là.
IRS3, Trou C2, un duel pour le top 5. Il me semble, alors je sais pas si je dis de bêtises, mais il me faut intégrer le top 10 pour marquer des points pour le classement. Dans le serveur 3, seul le top 10 marque des points. Karel Vega proche là de William Dorsch. Et Kim Vigneron qui garde le contrôle de cette course, même si derrière c'est proche. Attention à Thilla Dehner quand même qui est à l'affût. Faudra pas faire d'erreur hein, pour Guillaume Vigneron. Plus de 10 minutes pour les pilotes. On a fait déjà 7 tours hein, pour eux. C'est pas du repos hein, en WTCR, c'est vraiment éprouvant. Une voiture où il faut garder du gaz hein, dans les virages. C'est pas du tout une propulsion, c'est de la traction. Ça n'a rien à voir. Certains aiment, certains détestent. Raphaël Alves qui est en bataille là pour intégrer le top 10. Écoute, Zéla, le pilote tchèque. Là aussi c'est proche. Là aussi c'est très proche pour une place sur le podium là pour Kudzela. Rentrer dans le 9e tour. Dur de passer à l'extérieur, il protège bien l'intérieur là, Laszlo Nihilas. A bien protégé sa position là pour sa troisième place. Ah, ça se bagarre l'avant. Hein. Pour le podium là, il y a grosse bagarre. Guillaume Vigneron qui garde bien sa ligne. Hein. Très serein le pilote français. Victoire française sur RT93 Sport TV, ce serait bien. Écoute, c'est là qui est très très proche là avec sa Cupra. Est-ce qu'il va tenter quelque chose avec Kudzela? Freinage en bas de la descente. Est-ce qu'il va prendre l'intérieur? Non, ça va être bien protégé, une bonne défense hein, du pilote hongrois. C'est bien fait. Et surtout, on note hein, le fair play là de Kudzela qui part pas à l'abordage, hein, qui reste patient, qui reste dans le sillage là de la Golf. Que Raphaël aussi est en bataille pour le top 10 avec Janoche. Duel de Audi. Là, il faut aller marquer des points, Raph. Maintenant, il me semble que c'est le top 10 hein, qui marque des points. Donc là, c'est. Il le sait de toute façon qu'il faut passer pour Raphaël.
On va retourner sur Kudzela parce qu'il est très proche là, peut-être l'intérieur, non. Compliqué de plonger, hein. Là aussi, il y a un duel entre Hyundai là. Entre. C'est Grégory Leroy hein, qui a la pression là du pilote hongrois. L'intérieur pour Grégory Leroy. Non, il préserve. Allez, c'est passé. Non, plutôt, c'est passé pour le. C'est passé pour le pilote hongrois sur le français. Que Calogero Lopez, lui, c'est. Pour l'instant, c'est une bonne course hein, pour Calogero Lopez. Assez calme. William Dorsch, lui, qui s'est complètement manqué, j'ai l'impression, William. Première course compliquée pour lui. Là, il y a bataille entre ces quatre pilotes-là. Et Karel Vega aussi dans le coup. À l'affût, Karel Vega, qui a intégré le top 15, hein. 16e, il est passé 13e, Caril. Ah, tout ça c'est proche, tout ça c'est très proche. Là, il y a grosse bataille, là, 4 voitures de front. Il faut essayer d'être opportuniste là pour Caril. Raphaël est passé. Raphaël a trouvé l'ouverture hein, sur Janoche. Top 10 pour Raf. À 5 minutes du terme de cette course. Mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Derrière, il y a le feu. L'intérieur de Janoche qui va essayer de récupérer sa 10e place. Alors, on va avoir un gros freinage là. Et l'intérieur de Janoche qui va. Ah, c'est pas fait, c'est pas fait. Raphaël qui tient, garde sa ligne, mais ça va passer quand même pour Janoche. Peut-être, attends. Raphaël va être à l'intérieur pour repasser. Mais il se fait prendre l'intérieur derrière. Et il perd de place du coup. Ah, il y a grosse bataille là entre Audi. C'est Smoggy, hein. Somoggy qui est dans le coup aussi. Et Janoche qui garde sa 10e place du coup. Ouh, que là il y a une voiture en travers. Eh oui, c'est Somoggy. C'est Somoggy qui a perdu le contrôle. Et il y a toujours bataille entre Raphaël et Janoche. Et Karel Vega et lui derrière. 12e Karel Vega. Il va falloir recoller. Aborde sa link. Enco. Raphaël et Janoche, toujours en bataille. Ma chope lui. C'est une 19e place pour lui qui remonte. Hein, vous l'avez vu tout à l'heure en grande difficulté. Et gros duel entre Raphaël et Janoche là, ça continue. Ça va nous emmener au bout de cette première course. Mais derrière, il y a Karel Vega qui va essayer de jouer le top 10 aussi, alors que l'intérieur de Raphaël s'est bien fait. Superbe intérieur là dans la courbe. C'est passé pour Raphaël. Dans le premier virage. Là, ça va être un passage pied au plancher là, pour les deux hommes. Mais Janoche reprend l'intérieur. Ah, il y a un gros duel là. Et ça fait les affaires de Karel Vega qui est derrière avec Sally Kenko. Le gros freinage,
Sans cette courbe, Karel Vega à l'intérieur qui en profite sur Raphaël. Ah non, c'est Raphaël qui est passé 9e, oui. C'est Karel Vega qui a pris le meilleur sur Janoche. Belle opération là pour les pilotes français. Et maintenant, duel entre Raphaël et Karel Vega. Ces deux hommes s'étaient rencontrés hein, lors de l'ETC, Endurance Team Challenge, au Bodensee. 4 heures d'endurance. Et ces deux hommes s'étaient croisés là-bas. À l'époque, Karel Vega était sous les couleurs de la GTR3. En tout cas, top 10 hein, pour les deux hommes. Raphaël est 9e, Karel Vega 10e. Belle remontée hein, pour Karel Vega. Après son erreur. Mais il est toujours à la lutte. Hein. Janosch qui lâche pas. Alors que Kudzela, lui, en a réussi à prendre le meilleur sur Neila. C'est Mezes aussi est passé. Le poleman qui se retrouve 4e. Et Guillaume Vigneron, fidèle à sa position. Toujours 7e. Course tranquille hein, pour Calogero Lopez. En tout cas, beaucoup de supporters de la TT3R et de Karel Vega sur le chat, ça fait plaisir. Attention, Vega, j'ai l'impression qu'il a perdu des places là. Eh oui! Eh ouais! Adam Jonas qui remonte et Janosch est repassé. On n'a pas vu ce qui s'est passé malheureusement. Alors qu'elle a belle remontée aussi de Machop, la 17e. Somogi, lui, qui doit se rattraper de son erreur. Tout à l'heure en bataille pour le top 10. Relégué à la 19e place du pilote hongrois. C'est beaucoup plus tranquille là pour Raphaël maintenant. Il me semble avoir assuré alors que là on est dans le dernier tour hein, j'ai l'impression. On est dans le dernier tour. Et Karel Vega 12e. Ça va être compliqué de passer maintenant. En tout cas, Adam Jonas. Oula, attention, on est complètement hors piste. Là la Audi de Kurek. Oh, attention, duel là entre Adam Jonas et Vega. Ah, les deux hommes là. Grande bataille. Tout cas, ça va être une victoire pour Guillaume Vigneron. Mérité, un bon départ et ensuite il a gardé le rythme. Je crois que c'est fini d'ailleurs. Je crois que c'en est terminé pour Guillaume Vigneron. C'en est terminé aussi pour pas mal de pilotes d'ailleurs là qui passent sur la ligne. Ouais, c'est fait cette première course. Raphaël top 10 hein, avec Calogero Lopez, deux pilotes RT93 dans le top 10. Karel Vega, le pilote français, 12e sur cette première course. Et victoire française de Guillaume Vigneron. Belle performance là pour la GTR3. Beaucoup plus compliqué hein, pour William Dorsch. Voilà, victoire de Guillaume Vigneron, on le voit à l'écran. Attila Diener, le pilote allemand, deuxième. Et Kudzela, qui a en bataille pendant longtemps pour le podium, a réussi à passer. Ouais, les temps autour sont très bons. On a roulé en moyenne en 2,9, 2,8. Donc le niveau de performance est à souligner hein, sur ce serveur 3. Ouais, grosse remontée de Raphaël en tout cas. Rien à dire. Et le top 10 inversé. Donc Raphaël devrait partir sur la première ligne, en deuxième position logiquement.
Si je dis pas de bêtises. En tout cas, on va vite enchaîner, hein. 30 secondes avant la. C'est court, hein. Pour les pilotes. On enchaîne tout de suite les 25 autres minutes de cette course 1 avec grille inversée pour les 10 premiers. Les feux s'allument. Choc sur la route. J'espère qu'il ne va pas gêner le départ. En tout cas, c'est Janoche qui part en pole position derrière Raphaël. On va suivre ce premier virage. Et c'est le pilote hongrois qui a pris l'intérieur là sur Janoche. Il y a eu un bon départ aussi de Calogero Lopez. Parti 7e. Non, parti quatrième, pardon. Non, partant à troisième. Il a fini septième, Calogero Lopez. Donc du coup, forcément, il se retrouve en haut. Raphaël Alves a perdu des places. Il en a perdu 4. Et bon départ de Janoche. Et bon départ de Soquet. Le pilote hongrois. On va suivre le vainqueur hein, de cette première course. C'est Guillaume Vigneron. Qui a gagné une place sur Mézès pour l'instant. Dans le trafic, là, Guillaume Vigneron. Allez voir ce qui se passe à l'arrière aussi avec Machop. On y retrouve William Dorge. Il va falloir faire mieux pour William. Ouh, attention, il y a une voiture en grande difficulté en glisse là. La livrée bleue de la ligne Kenco. En tout cas, Calogero Lopez. Après un bon envol. Allez, 25 minutes, c'est parti, hein. On est toujours dans ce premier tour. L'épingle, on va ensuite faire le S, puis en finir avec ce deuxième secteur. Et Janoche, qui subit la pression là de Calogero Lopez. On a Eriksson, le pilote suédois aussi. J'espère qu'Eriksson, qui a pris un bon départ. Quatrième pour l'instant, le suédois. Infos pilotes, c'est quand même mieux comme ça. Et toujours ce pare-choc là, les commissaires de piste qui font pas leur boulot. Oh, la grosse touchette là de Calogero Lopez sur Janoche, c'était chaud. L'intérieur tenté par le pilote belge, là c'était. On était à deux doigts de l'accident et de la sortie de piste pour l'Audi. Mais derrière, on s'impatiente. Hein. J'espère Ericsson qui met une grosse pression. Alors, on va voir un gros freinage là à l'intérieur. Ericsson, on ferme bien la porte pour Calogero Lopez. Attention au contact. Vous m'excuserez, messieurs, dames, mais malheureusement, j'ai pas la vue cockpit. Et Raphaël à l'affût, en cinquième position. Derrière, on a Kudzela aussi. Kudzela, sixième, qui s'était battu pour intégrer le podium sur la course 1. Et il à l'affût. Et Karel Vega en bataille là, pour l'instant, c'est dixième hein, pour Karel. Voir quand il y a une voiture qui s'est sortie là. J'ai cru voir une voiture se sortir. Et oui, Karel Vega gagne une place maintenant. Et c'est Calogero Lopez. C'est Calogero Lopez qui s'est complètement loupé. On n'a pas trop vu ce qui s'est passé, mais en tout cas, on l'a vu quitter la piste. Et là, c'est la 15e place pour lui, malheureusement. Mais rien n'est impossible. On a vu Raphaël tout à l'heure remonter de la dernière place à la 9e. Rien n'est perdu. Où en est William Dorge d'ailleurs? Le pilote alsacien à bord de sa Audi. C'est compliqué pour William Dorge sur Slovakia Ring.
bien plus à l'aise hein, sur Hungaroring. Il s'était qualifié pour le serveur 2, là il est dans le serveur 3. Prochaine manche, Zandvoort, ce sera dans 2 semaines. Et pour l'instant, Rafael Alves sur le podium. Ah, solide, hein, Rafael là. Très à l'aise en WTCR. Qui nous fait plaisir là. Et Karil Vega 7ème. Pareil pour Karil hein, qui remonte. Partie 12ème. Déjà 5 places de gagné pour Karil Vega. Faudra pas se manquer maintenant. Garder sa ligne. Parce qu'il y a la pression de Valentino Adam, le pilote sud-africain là, qui est proche. Pour l'instant, un rythme de course en 2-9 hein, pour les meilleurs, pour le à l'avant. Et Janosch qui met une grosse pression là sur le Hongrois. Je connais pas du tout ce drapeau. Je sais pas si sur le chat vous savez cette nationalité. Sincèrement, je sais pas trop là. Alors que Kudzela lui est dans le coup aussi avec Mezes. Quatrième pour l'instant, Kudzela. Guillaume Vigneron, c'est plus compliqué hein, sur cette deuxième course. Le pilote GTR 3 qui est dans le trafic, qui est pris dans le trafic et du coup, c'est plus compliqué. On bataille avec le pilote malaisien Ayman Azik. Alors on a pas mal de pilotes là en bataille pour le top 10. Dont le vainqueur de cette première course, Guillaume Vigneron. Calogero Lopez essaye de remonter. On a aussi Attila Diner en difficulté. Attila Diner deuxième sur la première course. Qui est actuellement 12e. Et là il y a bataille avec Calogero. Il y a du beau monde là avec Vigneron, avec... Benz Race. Ah là c'est chaud, très chaud même. La Calogero pris dans le trafic alors que là un dépassement, il y a un pilote qui s'est manqué. Il me semble que c'est Isig. Et oui, Ayman Azig, Azik, qui s'est manqué, du coup qui a perdu des places là, et Kim Vigneron, et Attila Diner, se sont rapprochés du top 10. Que Janosch toujours en bataille hein, pour la P1. Et Kudzela qui est passé sur Raphaël, j'ai l'impression. Ouais, c'est passé sur le premier virage pour Kudzela. Et Mezes est derrière aussi. Là, c'est les hommes forts hein, de la course 1 qui remontent petit à petit. Là, Raphaël est sous pression avec les deux pilotes hongrois, Mezes et Neilas. Ça va être compliqué là de garder ce top 5
pour Raphaël. Un peu plus d'un quart d'heure restant. Et derrière, Kyrill Vega, à l'assaut des deux pilotes hongrois. Là, il se monte menaçant, là, Kyrill Vega. Très proche, pourquoi pas tenter quelque chose. Il va falloir être patient. Ouh, ils se sont manqués les deux Hongrois. Ils se sont manqués et ça fait les affaires de Kyrill Vega qui intègre le top 5. Ah oui, ils se sont complètement manqués les deux. Et là, du coup, ça fait de la place. Superbe opération pour Vega. Par contre, c'est plus compliqué pour les deux. D'ailleurs, on va essayer de voir où est-ce qu'ils se sont... Ils sont ressortis. Il n'y a plus de pare-choc pour Meses. Il y a des dégâts, de gros dégâts pour le poleman de la course 1. Et c'est compliqué. C'est même l'arrêt, peut-être l'abandon même pour Meses. Et Nila, c'est pareil, hein. 20e. Et on va retrouver les deux compères, Kyrill Vega, Rafael Alves. Même si là, Kyrill, attention, il y a une grosse menace derrière lui, Valentino Adams. Qui va mettre la pression maintenant sur le pilote de la DTR3. DT3R, pardon, excusez-moi, messieurs. Ils sont nombreux sur le chat en plus. Et là, il y a une belle occasion là pour marquer de gros points pour Vega, pour Raphaël. Et Guillaume Vigneron, à lui. Où est-ce qu'il est, Guillaume Vigneron? Il est 8e pour l'instant, Guillaume Vigneron. Toujours en bataille, toujours pris dans le trafic. Même si ça se rapproche quand même pour lui. Devant lui, c'est Jesper Eriksson qui va falloir essayer d'aller chercher. Alors que c'est l'abandon pour les deux pilotes hongrois. Voilà, c'est fini. C'est terminé pour eux. Ah, ils se sont manqués. Ils se sont peut-être pas compris. En tout cas, ça fait les affaires de Raphaël et de Vega. Kudzela, lui, qui va faire son deuxième podium pour l'instant pour Kudzela. J'ai l'impression qu'elle est là, la bonne affaire. Hein. C'est pour lui. Kudzela, troisième sur la course, course 1. Course 2, pareil. Même si là, il est un peu plus loin là, pour aller jouer mieux. Ça va être compliqué. En tout cas, Janosch, toujours à l'affût. Ça se confirme, hein, les complications pour William Dorsch, 20e pour l'instant. Derrière lui, il y a Machop. Compliqué pour eux. Machop beaucoup plus à l'aise, hein, sur Zone Vorte, car a réalisé un bon chrono, hein, en 1:44. Il reste plus d'une semaine, hein, pour réaliser un temps pour se qualifier pour Zone Vorte. Et là, c'est un boulevard, hein, pour Raphaël et Kyrill Vega pour le top 5. Ça va être compliqué d'aller chercher mieux quand même. Devant ça roule fort. Janosch qui est très proche quand même. Ça fait maintenant, depuis le début de la course, hein, que ces deux-là sont extrêmement proches. Janosch qui attend l'erreur. Que c'est cool 63-28 qui nous demande si c'est Serious Room. Oui, c'est Serious Room. Oui, c'est bien ça.
que Guillaume Vigneron est passé sur, j'espère, Ericsson, le vainqueur de la course 1, qui remonte petit à petit, même si là maintenant il y a un gros écart, hein, de 6 secondes à combler sur Adams en 10 minutes, ça va être compliqué. J'ai l'impression que Kudzela se rapproche. Est-ce que Kudzela est capable d'aller faire mieux qu'un podium? Aller chercher soit la deuxième ou la première place. Pour Calogero Lopez, la difficulté maintenant c'est d'essayer de passer Adam Jonas pour intégrer le top 10. Calogero qui a fait une erreur qui lui a coûté cher, qui a dû repartir dans le trafic tout à l'heure, dans la première partie de course. Qui a réalisé une bonne 7ème place hein, sur la course 1, c'était prometteur. Moins de 10 minutes pour les pilotes. J'essaierai d'avoir Raphaël après la course pour voir si comment il a vécu cette course. Raphaël pour l'instant quatrième qui voit derrière la Lynk & Co de Kirill Vega. Et Kudzela qui se rapproche dangereusement maintenant des deux hommes de tête. Il a l'air plus rapide hein, quand même que Kudzela, le pilote tchèque. Alors que Rasseur sur le chat. Me demande, pourras-tu annoncer? Oui, la nouvelle elle est bonne pour la team. L'arrivée d'Adrien Grenier, le pilote TX3 qui intègre la Racing Team 93 pour le Pôle Race Room et occasionnellement Forza. On est heureux et fiers d'intégrer X-Racer au sein de la structure. Un pas de plus vers la progression pour notre team. Et Calogero Lopez qui est passé, qui intègre le top 10. Je sais pas qui c'est qui s'est manqué. Je crois que c'est Jesper Eriksson qu'on ne voit plus, que je vois plus du tout. J'ai l'impression qu'il a quitté. Je te vois plus du tout là dans le classement. C'est j'espère Ericsson qui a dû se faire soit déconnecter, soit abandon. Ça m'étonnerait, il était quand même bien placé. Et Guillaume Vigneron, du coup, 7ème, qui se rapproche, hein, qui est en train de combler hein, sur Valentino Adam. Et Kirill Vega qui se rapproche également de Raphaël. Kirill Vega qui veut mieux qu'une 5ème place. 12ème hein, sur la première course, Kirill Vega. Tout cas, on voit la menace de Kudzela là, sur Janoche. C'est très proche là quand même. Il reste un peu plus de 5 minutes maintenant
dans cette course. Karel Vega aussi très proche là de Rafael Alves. Ça va prendre Rafael qui protège l'intérieur sur cette courbe. Là, et pareil, un gros rapproché. Meilleur rythme là pour Karel Vega. Mais maintenant, il faut passer. Maintenant, pour lui, c'est le cas de Kudzela est passé lui par contre. En attendant, il est passé, Kudzela. Deuxième position pour Kudzela qui est en train de faire la course parfaite, la manche parfaite en tout cas. Et Raphaël s'est manqué. Raphaël s'est manqué. Aïe aïe aïe. Éjecté du top 5 là, Raphaël, sur une petite erreur. Et Guillaume Vigneron, Attila Dinner, Valentino Adam sont passés, Karel Vega aussi. Aïe aïe aïe, Calogero Lopez 9e pour l'instant. Les deux pilotes RT93, 9 et 8e. Dommage. Ouais, grosse pression de Karel Vega qui a fait que Raphaël s'est manqué. Des batailles à l'arrière, hein. Bataille pour intégrer le top 15. Robert Welland qui est proche là du portugais André Melo. Peut-être qu'on n'a pas trop eu le temps de vous regarder aujourd'hui. Ziggler en bataille avec Schuber. Et pendant longtemps, hein, Janoche était en avait la possibilité de passer sur Soquet et il n'a pas réussi à faire cette manœuvre et du coup Kudzela en a profité en revenant petit à petit à son rythme. Ouais, Kudzela qui a le meilleur temps autour en 2,8529, c'est lui qui détient le meilleur temps. 23 minutes maintenant pour finir. Que Raphaël est passé sur Calogero Lopez, j'ai l'impression. Ah non, non. C'était Calogero Lopez qui plutôt se rapproche. Ils reviennent là sur Valentino Adam. Adams plutôt. C'est chaud là en deuxième partie de course. Avec Guillaume Vigneron quand même qui intègre quand même le top 5. Belle remontée là pour le pilote GTR3. Bataille RT93 entre Calogero et Raphaël. Raphaël qui tient intérieur. Et l'intérieur peut-être sur la courbe. Pour Calogero Lopez, ça va passer. Ouais, c'est passé pour Calogero Lopez.
Il sera ensuite à l'intérieur, hein, sur le prochain freinage. Essayer de croiser Raphaël. On entrait à l'extérieur pour bien reprendre, ressortir à l'intérieur, peut-être. Non, ça va être compliqué. Mais attention à la menace Adam Jonas derrière. Le pilote hongrois. Qui a peut-être profité de cette bataille pour se rapprocher. Alors que le chrono est terminé. On est dans le dernier tour. Et pour l'instant, Xoke qui est en train de s'offrir une très belle victoire là. Le pilote hongrois de la team Crazy Drivers. Le dernier virage. Je pense qu'on en terminera là pour cette deuxième course. C'est fini, belle victoire hongroise de Xoke Kudzela, deuxième qui passe la ligne. Guillaume Vigneron va aussi passer. Cinquième pour le français, Karel Vega quatrième, belle performance pour Karel Vega. Nos pilotes, Calogero Lopez et Raphaël, qui gardent le top 10, qui inscrivent des points aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour eux. Sur les deux courses, ils marqueront des points. C'est une bonne nouvelle. C'est terminé aussi pour pas mal de monde là. Pas mal de monde en ont terminé. Voilà, on devrait avoir vite les résultats à l'écran. William Dorsch, petite déception, 21e. C'était pas son jour pour William Dorsch, ce sera peut-être mieux sur Zandvoort pour le pilote alsacien. Voilà les résultats de cette deuxième course. Xoke s'impose. Kudzela hein, qui fait 3 et 2e. Hein, Kudzela, superbe opération hein, pour le pilote hongrois. Janosch finit 3e. Karel Vega 4e. Et Guillaume Vigneron 5e. Voilà le top 5 sur cette course 2. On rappelle la victoire de Guillaume Vigneron sur la première course. Devant Attila Dinner, le jeune Allemand. Qui là finit 6e. En tout cas, c'en est terminé pour aujourd'hui, pour nous. On va essayer d'avoir peut-être Raphaël qui nous parle de cette course. En tout cas, on a eu du spectacle hein, quand même sur l'ensemble des deux courses. Est-ce que Raphaël est disponible? Allô, allô? Ouais, on t'entend, Raph. On va voir si je t'entends bien sur le Salut. pas du coup. Ah, si, c'est bon, on t'entend. Salut, Raph. Alors, ces deux courses, en tout cas, deux top 10. C'était cool. Ouais. Deux top 10, mais déçu.
Bah, la première course, on tape au troisième virage, je repars le dernier. Ouais. Donc on remonte, on remonte, on remonte petit à petit. P9, c'est bien, pas de problème. On se bat justement pour être dans le top 10 pour partir devant. Donc je pars deuxième de Ouais, la par seconde deuxième, course. ouais. Je rate mon Longtemps dans le départ. top 5, hein. Ouais, bah conduite propre, j'étais quatrième. Et encore une fois, Karyl Vega, encore une fois, me tape dessus. Donc peut-être que cette fois-ci, il va encore me sortir la longueur de sa ligne. Bah, du coup, il ne l'avait pas mesurée. Mais On n'a voilà, pas vu c'est à dommage parce l'écran. C'est que. quand nous, enfin moi sur la réalisation, je t'ai vu. On t'a vu dégringoler dans le classement parce que je crois j'étais sur la bataille Kudzela, enfin Bah, c'est devant quoi. simple, à l'épingle, au troisième virage, tu sais, quand t'as la montée petite descente là, Ouais, après t'as ouais, l'épingle, bah ouais. il me tape, du coup je pars en tête à queue loin, et voilà. Donc encore un grand exemple de fair play de sa part. C'est dommage parce que la P4, moi je pouvais lui donner, Parce ça qu'il a coûte rien une fait. P4. Il est bien remonté, il était plus rapide que moi, mais Ouais, le il est principe de remonté, la ouais, course mais. c'est de se batailler. Et le problème de cette personne-là, c'est que c'est la deuxième fois qu'il me fait ça en deux courses. Voilà, donc c'est bien de représenter le sim racing francophone, mais à un moment, il y a les faits, donc on va porter une réclamation, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est dommage. Mais en tout cas, grosse perf de Calogero Lopez, parce Ouais, qu'il mais. n'a pas une course facile, Ouais, il a fait 7e sur la première. et il fait huitième sur la deuxième. Ouais. Donc, très belle course de sa part. Belle Après, course c'est aussi pas... du pilote GTR3, Guillaume Vigneron, qui a fait premier et 5e sur la deuxième. Donc Ouais, ça vaut très une gros belle rythme de sa première part, course. Ouais. Très très bon pilote, Guillaume Vigneron. C'était plus compliqué pour William. Aujourd'hui, pareil pour Machop, c'était un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble, quand même, la perf est bonne. Hein. ouais, dans l'ensemble, la perf est bonne. Bah, de toute façon, on s'entraîne pour ça. On s'entraîne pour ça. La perf est bonne, il y a vraiment du niveau. C'est très serré, hein. Vous avez pu le voir en qualif. Ouais. Les temps, on est quoi, 20 pilotes en une seconde. Ouais, Franchement, il c'est y a très ça, peu de ouais. Tout le monde était compétition. en 2-8 pratiquement. Voilà, très peu de compétitions offrent ce niveau de compétition aussi serré. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs types de voitures. Donc, par exemple, Karyl Vega, avec les longues lignes droites, bah, sa Ouais. ligne, justement, il en profitait de la puissance. Ouais, la ligne, ouais, elle était performante, on le voyait en ligne droite. La Cupra aussi marchait pas mal, celui Pourtant, qui la fait le Cupra avait pas P4. mal de. Il me semble c'est la Hyundai qui avait beaucoup de ballast, hein, 13 kg de ballast. Et la ligne, par Ouais. contre, elle avait aucun ballast. La Oui, ligne. la ligne est un peu plus lourde. Ouais. Mais la Cupra marchait pas mal. Le P4, Ouais, celui qui c'est était Kudzela, P3, il a fait deuxième même après. voilà, ben voilà, c'était l'homme le plus rapide en piste. Ouais, Il était vraiment effectivement. rapide. Moi, j'ai pas réussi à le suivre. Mais en tout cas, c'était une belle bataille. Et en tout cas, merci à toi d'avoir retransmis Ouais, cet event surtout merci à Robert Wiesenmüller. ouais, heureusement que tu es intervenu pour le dire parce que j'ai pas osé le tenter. Mais merci aux organisations de nous avoir confié ce serveur 3 pour la diffusion. On essaiera dans 2 semaines déjà d'être qualifié, Raph, pour Zandvoort. C'est bien parti, hein. Quand on regarde le classement, on a quand même pas mal de pilotes qui sont dans ce classement, qui sont bien placés. Mais bon, faut confirmer tout ça dans la dernière semaine pour les chronos et se qualifier sur Zandvoort. Ouais, on va se qualifier. Pour l'instant, c'est le cas. On a 5 pilotes à peu près. Ça va aller du split 2 au split 4 pour l'instant. Hein, il Ouais. reste encore une semaine. Voilà, donc on est prêt. La semaine prochaine, il n'y a pas de course. C'est vacances, c'est repos. Ouais. Donc ça C'est le sera tour, le dans... Sim Racing Expo, donc du coup, pas mal Ouais. de Sim Racers n'auraient pas été disponibles, donc Donc, c'est l'événement et surtout Nürburgring. qu'il y a la DAC. Et surtout qu'il y Ouais, a la voilà, DAC la aussi DAC, ouais, qui... exactement, au Nürburgring Café, donc. Voilà, donc voilà, c'était... Sinon, c'était bien, mais un peu décevant sur la fin, parce que tu te bats pour être propre, et on te jette comme ça, quoi. C'est un peu malheureux. En tout cas, Mais bon, je c'était sais parti pas, de la t'as un course. mot à dire sur ce qui s'est passé pour les deux Hongrois qui se sont complètement sortis. C'était Mezes, je crois, et j'ai oublié le nom du deuxième. C'était deux Hongrois qui se sont complètement sortis. Du coup, c'est de ce fait que Karyl Vega intègre le top 5 juste Ah, tu derrière parles toi. des gars qui se sont tapés derrière moi là? Exactement, exactement. T'as pas Ouais, eu bah de vision sur ça. c'est. Alors, je les ai vus dans le rétro partir loin, donc ils ont redessiné la piste. Ouais. Bah, sûrement qu'il y en a un qui a freiné trop tard, qui a emmené l'autre sur l'extérieur de la piste. Mais c'est vrai que la plupart des. Enfin,
y a beaucoup de concurrents qui sont agressifs, dont Karel Vega, dont les deux Hongrois. Celui à qui je me suis bataillé pour la P9, Jonas, son nom, c'est ça? ouais, très, très propre, très propre, parce qu'il faut le signaler quand il y a des pilotes propres. Voilà, donc des intérieurs, extérieurs, des croisements, des Sur la croisements, des course, on t'a croisements. vu en bataille avec lui, ouais. Effectivement. Ouais, c'était propre. Et d'ailleurs, il s'est bataillé de façon propre avec le premier, Ouais, dont exactement. j'espérais une touchette. Mais il y a des pilotes propres, mais il y en a, ils conduisent, voilà, on va pas citer de mots, on va rester fair play parce que c'est quand même, c'est pas la nuit, on est encore en journée. Les mots grossiers, ça sera pour après 22 h. Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu et bravo pour ta course, bravo à toute la team et merci à tous les viewers qui ont suivi. C'était une bonne course, enfin, c'était deux belles courses avec du spectacle et belle expérience. On espère la reconduire sur Zandvoort dans 2 semaines, en tout cas, Rafa. Ouais. Donc on sera là dans 2 semaines avec une diffusion. On sait pas encore pour quel split, mais on sera là. C'est sûr qu'on sera là. Très bien. Bah, merci à toi et bonne fin de week-end à vous tous. Et on se retrouve peut-être dans 2 semaines pour la dernière manche du Audi R8 LMS Cup 2019 sur Forza. Ciao les gars!